Bonjour à toutes et à tous. Je suis Taha Sessi, responsable technique régionale chez ADCO. Comme vous, nous faisons partie des gens qui participent à nourrir le monde. Et c'est une lourde responsabilité. Nous sommes donc appelés à innover et trouver des solutions pour réduire le coût de la production de la protéine animale, en particulier dans les circonstances actuelles du Covid-19 et son impact sur l'économie mondiale. Je m'adresse dans cette vidéo à mes confrères nutritionnistes, formulateurs et aux gestionnaires de centres de coûts dans la filière avicole. Je vous conseille de travailler sur deux axes. L'axe numéro 1, c'est la variabilité des matières premières qui est un véritable cauchemar des nutritionnistes. L'axe numéro 2, c'est l'extraction du potentiel du Rovabio Advance. Pour l'axe numéro 1, la plateforme PNE d'ADCO, là je parle de l'approche NIR, avec un accès à temps réel aux nutriments, principalement les acides aminés digestifs, est unique dans son genre, car elle est basée sur la chimie et l'in vivo. Elle vous aidera à réduire cette variabilité, surtout qu'aujourd'hui la quasi-majorité des formulateurs utilisent les acides aminés digestifs. Grâce à PNE, vous pouvez sécuriser vos performances tout en assurant une stabilité des formules. Pour l'axe numéro 2, Rovabio Advance en tant que fidase vous permet d'utiliser des matières premières locales, rovabiosées, à titre d'exemple le triticale, l'orge, jusqu'à 20 à 25% de taux d'incorporation dans les formules volailles, si, bien entendu, le prix d'intérêt le permet. Utiliser la matrice complète de Rovabio Advance, cette matrice a été élaborée après plusieurs essais station 500 essais, des experts en nutrition en collaboration avec des institutions de recherche et elle a été partagée après sa sécurisation. Faisons l'exercice ensemble sur une formule poulet de chèvre. Vous pouvez gagner autour de 1,5% sur le coût de votre formule avec la matrice complète de Rovabio Advance par rapport à une matrice conseillée. Ce 1,5% se traduit par un gain d'environ de 5 euros par tonne d'aliments. Pour plus de détails, veuillez me contacter par mail sur mon adresse mail qui s'affichera en bas de la vidéo. Et je vous remercie pour votre attention.